So what is the vision that we would like to develop for CCA in these future years? We want to be more accessible, both in the building and online. And I'm going back to that, because most of the activities of next year, they are shaped in that light. We want to be even more engaged with contemporary issues. What does it mean? That we want to be relevant for the contemporary debate. We want to consider architecture as a possible contribution to a lot of the questions and the problems that our societies are facing today. We want to be more collaborative. We already worked in the past, and we're still working with a lot of institutions, universities, museums, but I like to mention universities mainly. And we want, of course, to be sustainable for the future in order to build a new audience for the CCA or new audiences, and also sources of support that will sustain us beyond the next 20 years. Et maintenant, parlons de ce qui va passer à CCA dans cette année, le 2009. Donc, nous allons améliorer l'accessibilité du CCA. Et nous avons déjà un nouveau politique des droits d'entrée. L'entrée au CCA est libre pour l'étudiant et les enfants. Et l'heure d'ouverture a été prolongée jusqu'à 6 heures et à 9 heures dans le jeudi. Et nous faisons de la maison Shaughnessy un espace plus convivial qui incite les visiteurs à rester, donc un service de Wi-Fi, des ouvrages de lecture, ça c'est la première phase de le projet. Mais aussi, la chose plus importante, nous voulons rendre la collection plus accessible physiquement et en ligne pour les chercheurs, les étudiants, les universitaires, les architectes, tout le monde. Qu'est-ce que sont les expositions pour l'année prochaine, pour cette année? Nous avons deux grandes expositions, deux petites, et il y a déjà, si vous voulez visiter après cette présentation, il y a l'exposition Action, comment s'approprier la ville, et Lumière zénitale dans les grandes salles et les salles octogonales de CCA. Et pour les prochaines expositions, nous avons une exposition dans l'idée de vitesse, la vitesse et 16 limites. Je trouve que c'est un thème très contemporain. Il va être de mai à octobre. C'est en collaboration avec le Wilsonian Museum Miami Beach et avec Stanford University, le commissaire, c'est Jeffrey Schnapp. Il y a aussi une autre exposition, Autre Odyssée de l'espace. C'est une investigation sur la fascination pour la technologie. Dans les années 60-70, nous avons déjà vu beaucoup de fascination avec la technologie, l'exploration de l'espace. Donc, cette exposition il va avoir un part qui est relié à cette fascination de l'année 70, c'est des projets de super studio avec Alessandro Poli sur la connexion avec la Lune et des projets contemporains de Michael Molzen et Greg Lin. Aussi, nous avons une petite exposition de Guido Guidi, une exposition de photographie sur la tombe de Carlo Scarpa, qui est une continuation de la recherche, un travail que nous avons déjà commencé. Qu'est-ce que sont les événements pour cette année? Cette année anniversaire du CCA sera marquée pour des événements spéciaux, mais aussi par un calendrier très riche. Donc, petite chose, nous avons un événement porte ouverte qui s'adressait à la communauté montréalaise en mai. Il faut souligner que le CCA a ouvert en mai il y a 20 années. Donc, ça c'est en connexion à Porte Ouverte Design Montréal et présentera un événement de 20 heures consécutives le 2 mai prochain. Le Centre d'études présentera 20
événements publics, des séminaires, des conférences, des discussions. Les trois chercheurs que nous avons pour le 2009 sont l'urbaniste Jean Busquets, l'auteur Mike Davis et l'architecte Greg Lynn. Et nous avons aussi les deuxième éditions de la soirée du CCA, qu'est-ce que c'est un événement pour nous très important de lever de fonds, les 11 juin. Et nous sommes très heureux de vous annoncer que les coprésidentes des balles seront M. Riyad Ben Assia, vice-président exécutif de SNC-Lavalin, et Louis Vachon, président en chef de la direction de la Banque nationale groupe financier. But I would like to present you one very important thing that is going to happen this year. In the last year, CCA has developed a strong online program. These online activities, they support our engagement with the contemporary issues and ensure that we are reaching our dispersed audience, both in Montreal and outside, all over the world, with exhibition microsites, iTunes podcasts, YouTube videos, Facebook networks, and others. Now, what is the 20th anniversary for us? You know, in the last years, you have seen a lot of museums building new extensions, and a new extension is always a way to rethink the institution. We decided not to have a new extension of CCA, but to have a kind of a new building online, the new website of CCA. Why? This will give a better access to our collection and resources, which is crucial. It will reflect the full range of activities, such as exhibitions, educational activities and events that are taking place in the physical space, and also create, which is very, very important, a platform for the exchange of ideas about architecture and contemporary society. So perhaps we can, I would like to give you a short preview in advance of the launch. Just I take this opportunity to show you a small preview of the design. It will change a little bit. On the screen, you see a prototype of the homepage, and we are working with the Montreal-based firm Blue Sponge to develop the site concept and realization. This will be in the next spring that I hope that you can have access to CCA in also in this way, taking advantage of all the things that we do and all the collection that we have here, even if not physically present. So I hope that all of us today, this morning, we have given you a rich picture of the CCA and how it has evolved. Our focus today is in increasing access to the collection, the research, and the ideas. And this is the way that we are making the original goal of increasing public awareness and making the role of the CCA relevant, and making especially what is more important for us, the role of architecture in the society relevant for and to our future audience. So, on behalf of all of us on staff, I would like to thank you for your interest, for your support, for the frequent collaborations that we had through these years, and especially for being here today. Thank you very much.